Le Centre de recherche et de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation, dénommé CERFOPMA, logé au sein de l'UCAO, a procédé à la remise des diplômes de sa 7e promotion ce samedi 19 novembre 2022 à Abidjan-Cocody. Les diplômes issus de cette formation sont agréés par IFOMENE, Institut de formation à la médiation et à la négociation, qui fait partie de l'Institut catholique de Paris. Le baptême de cette 7e promotion s'est fait sous le parrainage de Son Excellence Monsieur Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 23 participants qui ont été formés à la médiation professionnelle. Pour participer à cette formation, il faut être titulaire d'une maîtrise dans n'importe quelle discipline ou un diplôme équivalent. Le programme de formation comprend deux phases. La première phase, dénommée DU1, les participants apprennent en 3 mois les prérequis de la médiation, puis sont admis à la première partie du diplôme après avoir présenté un mini-mémoire d'une douzaine de pages. Ensuite, durant la seconde phase DU2, les apprenants reprennent toutes les techniques de la médiation leur permettant de la pratiquer dans toute sa diversité sous plusieurs formes sanctionnées par un mémoire d'une quarantaine de pages minimum, puis un examen final. Ici, les participants nous font part de leurs impressions et l'apport de cette formation de médiateurs professionnels dans leur vie. Je suis venu à la médiation parce que dans ma vie professionnelle et même politique, je faisais de la médiation sans avoir le document. Et avec la médiation que j'ai fait finir, je suis médiateur professionnel, sachant aussi que j'ai été couronné aussi par le diplôme de Lyon et de Paris. Et aujourd'hui, c'est à Abidjan. Donc je suis bien outillé pour continuer mon travail que j'ai l'habitude de faire parce que je suis quand même un élu. L'élu que je suis, il y a tellement de litiges dans nos contrées, dans nos circonscriptions. Donc je crois que je serai bien outillé. C'est un plus pour pouvoir mener à bien la tâche que le peuple va m'écouter. Et nous pourrons nous installer dans nos cabinets pour défendre qui a besoin de nous et qui aura besoin de nos services. Et sachant aussi que le tribunal d'Abidjan peut nous faire appel pour pouvoir aider parce que vous savez que la justice est vraiment encombrée. Il y a des litiges aujourd'hui qui ne trouvent pas les dénouements et qui fait des années sur des années. Il y a des jumeaux qui vont sur 3 ans. Et ce n'est pas normal, souvent les acteurs meurent. Et je crois qu'avec la médiation, on pourra vraiment régler tous ces problèmes-là. Bon, ce que je dirais, je demanderais à tous ceux, parce que la médiation, même, c'est la vie en réalité. C'est le quotidien, c'est ce que nous vivons. Parce que traditionnellement, quand on vivait l'arbre à palabre, on se retrouvait sous l'arbre à palabre pour régler les problèmes dans nos villages. Mais aujourd'hui, la médiation est tout ça. Donc j'appelle à tous ceux qui vivent, je dis bien qui vivent, qui savent lire et écrire, vraiment de tout faire pour pouvoir connaître ce que c'est que la médiation et pour embrasser une croix vraiment sans soi. La cérémonie de notre premier diplôme. D'accord. Donc, la médiation, il y a des mois dans les règlements amis avec les conflits, est un moyen majeur dans le processus de résolution et de prévention des crises. Donc, c'est un enjeu très important aujourd'hui et c'est pour ça que le législateur ivoirien a pris une loi pour instituer la médiation. D'un point de vue communautaire également, il y a la médiation est reconnue par le traité WADA. Donc c'est pour dire l'importance de la médiation comme mode de régulation sociale. Il est clair que c'est un moyen qui vient accompagner la justice étatique. Mais ici, la médiation a l'avantage de recréer le lien de tissu social qui a été fragilisé. Donc c'est un processus que nous allons conduire. Nous comptons tant aussi bien notre métier quotidien, puisque moi je suis ministre de formation et chef de service contentieux. Donc c'est un moyen que nous allons mettre au service de notre activité professionnelle, nous allons l'implémenter. À côté de cela, puisque ça a un champ qui est très élargi au niveau de la société, nous comptons mettre effectivement cette formation-là au moyen de nos politiques, au moyen de nos communautés, dans nos villages, dans nos quartiers, pour que effectivement nous arrivions à prévenir les crises et à éviter la guerre. J'ai suivi la formation en médiation professionnelle. Donc je suis
l'un des récipiendaires d'aujourd'hui. Nous sortons de cette formation-là avec une vision beaucoup plus réelle et une grande vision des relations interhumaines. Parce que la médiation concerne surtout les relations interhumaines. Il faut prévenir les conflits, il faut harmoniser la qualité des relations les uns avec les autres et surtout rechercher la paix dans une harmonie du vivre ensemble. Alors, en tant que médiateur, nous avons pu acquérir les aptitudes nécessaires pour être un bon médiateur, notamment la neutralité, l'indépendance, la confidentialité pour protéger les médias et surtout travailler la qualité de l'écoute. Parce que c'est à partir de cette écoute-là qu'on va déceler les problèmes et amener les médias avec leur propre volonté à asseoir un vivre ensemble meilleur. Donc cette médiation-là nous a apporté beaucoup d'armes nécessaires pour pouvoir aider nos concitoyens, nos paroissiens, nos paroissiennes, les différents milieux de vie, afin de pouvoir asseoir un vivre ensemble meilleur. J'ai décidé de m'intéresser à la médiation. Alors je suis le père. Vous savez, je suis déjà prêt à je vais procéder de règlement de litige. Opter pour la médiation cette fois-ci, ça ne m'empêche pas, je serai toujours avocat. J'ai bien voulu faire la médiation parce que c'est un mode de règlement de litige qui m'a séduit, on va dire. Parce que la médiation permet aux parties elles-mêmes de trouver solution grâce à l'aide de la thèse que je fais le médiateur. Je voulais être médiateur parce que souvent de fois dans le règlement des litiges que j'ai eu, les conflits qu'on a eus devant le tribunal, les solutions ne sont pas toujours satisfaites. Et tant de fois, on sort de ces règlements-là avec certaines frustrations. Alors que dans la médiation, ce sont les parties elles-mêmes donc, qui se donnent, qui finissent par régler leurs problèmes, elles-mêmes en discutant avec bien entendu l'aide du médiateur, sauf qu'il s'agit de solutions qui sont pérennes, des solutions profondes, qui règlent vraiment, qui va au-delà du litige, qui règle le conflit qui se retrouve en dessous. Donc j'estime quand même que c'est un mode intéressant et désormais un mode qui commence à être généralisé en Côte d'Ivoire. Il y a une loi de 2014 qui le prévoit en Côte d'Ivoire. Il y a un acte de forme OAD là-dessus aussi. Je pense que de plus en plus, il serait intéressant de se retourner vers ce mode-là, parce que c'est un mode qui maintient la cohésion sociale. Parce que des parties qui ont discuté et qui ont obtenu solution à leurs problèmes, elles sont plus enclines à continuer à collaborer. Alors que lorsque vous allez voir la justice, que la justice tranche, les gens sont toujours le perdant, ils sont toujours fâchés. Et il n'est pas évident que la collaboration continue. Donc c'est un mode de règlement des conflits qui est encore bon pour le domaine de l'économie, qui est bon pour la société, qui est bon en tout cas dans tous les secteurs d'activité, même dans les foyers. Vous savez, on a mal au cœur. Nous sommes tous des médiateurs informels. Grâce à Dieu, nous avons arrivé à des outils scientifiques qui nous permettent de résoudre, d'intervenir, afin de régler tous les problèmes dans la zone. J'ai fait la médiation depuis novembre 2021. Je suis venue à la médiation par amour. Par amour parce que je faisais la médiation sans m'en rendre compte. Et là, j'ai un ami, avocat, qui a essayé de me convaincre, de me dire, écoute, tu aimes la paix, tu aimes rassembler les gens, et puis tu aimes concilier les gens aussi. Il serait mieux que tu fasses une formation de médiateur professionnel pour bien faire la médiation que tu veux faire. Donc comme ça, j'ai commencé depuis l'année dernière. Nous avons fait une formation de 10 mois, 6 mois à Dijon. Après ça, nous avons fait un stage de perfectionnement à Paris, à Lyon, dans le mois de juin, qui s'est sanctionné par un certificat de perfectionnement. Et après ce certificat, nous sommes revenus, on a fait les examens ici, les examens de fin d'année. C'est le couronnement de cette formation et le diplôme que nous avons reçu aujourd'hui. Il faut dire que la médiation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle est utile.
Les Ivoiriens en ont besoin. Parce qu'on a beaucoup de conflits à tous les niveaux. Les conflits familiaux, les conflits en entreprise et puis les conflits politiques. Donc je pense que la médiation aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut régler beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits parce qu'avec la médiation, on gagne toujours. Tous les parties gagnent. Il n'y a pas de frustration. Et nous sommes beaucoup discrets. Il y a la discrétion parce que quand on fait une séance de médiation, c'est entre les parties, il n'y a pas d'observateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public. On le fait entre les médias et le médiateur. Donc aujourd'hui, je pense que la médiation en Côte d'Ivoire sera une bonne chose. Les Ivoiriens en ont besoin. Nous, notre promo 7, pourquoi j'ai dit promo d'arc-en-ciel, notre promo s'appelle promo arc-en-ciel. Même si le parrain est le PAN, le président de l'Assemblée nationale, mais nous avons donné un nom, promo arc-en-ciel, parce que dans notre promo, on a presque tout le monde. Vous avez vu des religieux, musulmans que chrétiens, vous avez vu aussi les notaires, les avocats, vous avez vu même le DG du CHU d'Angré. Et moi-même, je suis banquier de formation. On a des DRH, on a des notaires, on a des juristes. Il y a tout le monde dans notre promotion. Dans notre promotion, c'est la promotion arc-en-ciel. Donc j'invite tous les Ivoiriens à venir faire la médiation pour qu'ensemble, on trouve les solutions aux conflits que nous vivons aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous d'avoir reçu aujourd'hui ce parchemin. Bon, c'est une concrétisation. C'est vrai qu'effectivement, on a absolument besoin d'être diplômés donc d'avoir les compétences requises pour pouvoir travailler. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi une grande motivation de notre part parce qu'on vient aboutir à un rêve. Ce rêve-là de faire en sorte d'être artisan de paix. Pour paraphraser pardon, Jésus, on a besoin d'être artisan de paix, surtout dans notre pays qui vient fraîchement de sortir d'une crise politique très dure. Donc j'invite à ce propos la population ivoirienne à privilégier davantage le dialogue. Et pour reprendre un peu ce que notre père fondateur nous a dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc j'invite la population ivoirienne à privilégier le dialogue, à privilégier donc la médiation avant tout autre chose.